Non. Allez, on peut être arrivé. Ouais. Waouh, elle fait trop flipper. Énorme. Waouh. Ah, attends, attends, je vais te... Oh. Bon, tant pis. On pourrait tourner un porno gothique dans cette baraque. Bon, allez, venez, on y va. Et là, le chef de la tribu, il se tourne vers le Belge, il lui parle, et il lui dit « La mort, mais par la tunga. » Elle est nulle. Mais non, elle est marrante. Non, non, elle est marrante. Putain, c'est quoi ce bruit? C'est juste la baraque qui essaie de nous tuer. Mais t'es con. Non, mais c'est vrai. Il y a déjà eu des morts ici. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas des conneries, c'est mon grand-père qui me l'a raconté. Ici, avant, c'était un asile psychiatrique. Forcément. Il y avait des gens qui mouraient par dizaines, par centaines. Des fous enfermés avec des docteurs sanguinaires, ça laisse des traces. Leurs âmes hantent encore les lieux. Elles te cherchent. Elles te trouvent. Elles t'attrapent. BAM! Elles te violent avec un poulpe. T'es vraiment trop con, ouais. C'est vraiment de la merde, ton histoire. Putain, c'est quoi ça? T'es fou. Attendez, je vais voir. C'est bon, c'est juste une ligne radio, c'est que ça marche. Quoi? Tu me cherches? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Non, tu vois ta grande gueule, hein? Max? Max? Qu'est-ce qu'il a fait, le con? Alors, c'est qui le patron? Tu crois qu'il est mort? Oui. Ou alors il fait super bien semblant. Ouais, c'est trop tôt. Mon père, il va trop m'engueuler. C'est quoi cette baraque? C'est sans la course, c'est vrai en fait. Bon, je me casse. C'est un accident, c'est juste un putain d'accident. Moi aussi. Oui, un peu, ouais. Stop, stop, stop. Allez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On va se séparer. Et dès que quelqu'un trouve la sortie, il appelle les autres, ok? La baraque veut nous tuer, et toi, tu veux qu'on se sépare, c'est ça? Genre, chacun de son côté? Ben oui, pourquoi? Bon, pour savoir. Bon, ok, allez, on y va, vite. Thank you.
Tu m'as pas eu. Tu m'as pas eu. L'échafaud pour des vendus qui rusent. Vient d'entrer rageur en vengeur, oui, mais la guinguette a fermé ses volets. Eh ben, coriace la gamine, hein. Ouh là là, elle t'a fait galérer celle-là. Un peu, oui. Ouais, ouais. Alors j'ai failli intervenir, mais comme t'avais bien géré les autres, j'ai pas voulu gâcher ton travail. Oui, merci. Ben, hey, t'as bien aimé l'ambiance que je t'ai mis? Les portes qui grincent, les lumières qui clignotent, la musique angoissante. Je suis sûr que ça t'a aidé, ça. Un peu, oui. Ah ben oui, évidemment, hein, la mise en scène, c'est le secret, y a pas photo, mon poteau. Bon, ben les zoos, hein.